Patrick, bonjour. 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 Ah, j'aimerais avoir une question pour Marjolaine. Tu appelles du Marais, Patrick? Non, mais d'Alsace. D'Alsace. Elle t'écoute? C'est beau, l'Alsace. Avez-vous encore des relations avec Greg? Je l'ai Alors, Greg, l'ai croisé, qu'on appelle dans le métier rentemplant, hein, il faut un peu resituer. Tu as fait une émission avec Greg, qui s'appelait Greg le millionnaire, et c'est lui qui te disait « je suis dur de partout ». Je l'ai recroisé 2-3 fois en soirée. Tu as été le voir au parloir? Non. et bon, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un dire, qui, non, mais j'ai pas fini ma phrase. Ah, pardon. C'est quelqu'un qui est pas vraiment intéressant dans la vie. Oh. Ouais. C'est marrant, les gens en avaient une autre idée. C'est marrant, hein. J'ai l'impression qu'ils dégagent une autre image. Non, mais c'est vrai, c'est que dans le concept de l'émission... Dans le concept de l'émission, il avait l'air... Non, mais je vous explique. Il avait l'air tellement con et en fait, il est encore plus con, quoi. Non, mais... C'est vrai. Dans le concept de l'émission, on est 20 filles contre Coupe du Monde. Mais vraiment totalement, pas de télé, pas de médias, pas de journaux, tout ça. Et on nous sort un homme, voilà, qui a 30 ans, une belle situation, soi-disant. Et donc, pour nous, on le voit un peu comme un dieu. Non, mais des hommes-objets, il en faut aussi. Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? La légende dit que tu l'as pris en bouche. Temps, ouais. Oui, il en faut aussi. C'est la légende. C'est pas vrai? Donc, une légende, c'est pas vrai. Ah bon? Bah non. Ah, je suis déçu, moi. Bah oui, mais bon, c'était sympa à l'époque.